Bonjour et bienvenue, on va faire un peu de farm. Un peu de farm de la reine araignée. Donc on va utiliser cet équipement. Alors c'est pas vraiment optimisé pour la tuer parce qu'on utilise son masque en fait. Et c'est du poison et le poison sur les araignées ça marche pas. Je vais utiliser ça pour faire des dégâts de feu. Je vais utiliser sa propre masse. Elle est que niveau 4 par contre, donc bon, voilà. Au pire, on changera pour le katana et on mettra le pendentif si jamais c'est la merde. Donc j'ai un peu moins de soins et de buff cette fois. Donc on va voir comment ça se passera. Je sais pas trop quoi mettre comme mutation. Honnêtement, on peut peut-être tester ça un peu, le régène, là, on va voir. On va se buffer, donc santé max et résistance aux dégâts. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle est moche. D'accord, j'arrive pas à bloquer, c'est bien. Ok, faut que je fasse gaffe à mon endurance. Bien. Bien. Je dois bien voir sa vie, ça serait vraiment cool. Le jeu, il pourrait vraiment m'aider. Ça serait vraiment sympa. On est bien. J'ai aussi arrêté d'utiliser la. L'équipement de. De la coccinelle. Parce que du coup, si on n'utilise plus le set complet de la coccinelle, autant. Autant vraiment changer d'équipement. Donc j'ai pris le. L'autre équipement de tank, là, le dernier qu'on peut avoir. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Par contre, faut un peu bouger. On la tue pas très vite, honnêtement. On la tue pas des masses vite, je vais être honnête. Un peu déçu. Je sais pas si le pendentif serait pas mieux, par contre. On va voir. Si je prends ça plutôt. Pendentif et le katana de feu. Ok, ça a l'air d'être un peu plus un peu plus intéressant. Je crois que ma masse est tout simplement pas assez augmentée. Ah oui, c'est vrai qu'elle faisait ça. Putain, j'avais vu. Ok, très bien. Merde, pas mort. Le masque est pas du tout adapté pour elle. Hein.
vraiment pas adapté pour elle. Très bien. Très bien. J'ai pas très très bien tenté, mais pas grave. Je vois pas sa vie, je sais pas quand elle va mourir. C'est honnêtement un peu chiant. Oh la vache! Tu peux mourir la petite là? Qu'est-ce que tu me fais chier? Oh. Ah, j'ai vu sa vie, j'ai pas eu le temps de l'avoir en entière. Ah là elle part juste, ok ça marche. Je vais être honnête, c'est pas très très efficace en fait. On la tue hein, mais... Il y a une abeille à l'intérieur, what the fuck? Il y a une abeille à l'intérieur. N'importe quoi, je... Ouais, c'est pas très efficace cet équipement pour elle. Je crois que je vais aller changer, quoi. Allez, vas-y, on refait encore. Bumble off, Bumblebee. Ouais, vas-y, va-t'en. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Les critiques font très très mal par contre quand ça arrive. Cool. Elle m'aide? Énorme! Abeille contre la reine! Oh d'accord, ok, j'ai rien dit. Non, putain, c'était vite réglé. Honnêtement, c'est plus safe de faire au bouclier hein, et à la hache. Ah la pute! J'aime pas quand elle fait ça. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que les autres l'ont fait décoller en fait. Allez, crève. J'ai mal géré mon sparring.
J'utilise ça parce que comme ça du coup ça me fait durer un peu plus longtemps. Oh merde, oh merde, oh merde. Allez là, oh, pas de ce côté. Ok, on est bon, on est bon. Je voudrais bien qu'elle vienne sur moi. Bon, on a un mauvais, très mauvais équipement. Après, je voulais voir un peu la défense de l'équipement. C'est pas mal. Ça tient, on va dire. Mais pas contre un boss trois fois d'affilée, quoi. Genre la masse et cet équipement-là, ça fonctionne bien. Mais trois fois d'affilée, non. Il faut. Je pense que l'équipement de la coccinelle est mieux. Je pense que l'équipement de la coccinelle est mieux adapté. Est mieux adapté pour ça. Ou alors il faudrait une épée. Ah, peut-être que je peux faire une épée de feu pour la farmer. Maintenant que j'y pense. Et puis c'est tailladé. On peut. J'ai une épée qui est vachement sympa. J'ai ou celle-là ou celle-là. Celle-là fait vol de vie. Ça peut être intéressant. Ça augmenté en feu pour la combattre. Ça peut être bien. J'ai mon casque qui va casser et tout ça. On va la refaire encore une fois, puis après on va devoir faire une pause, je pense. On va refaire une petite pause. On a encore résistance aux dégâts, ça a 8 minutes, ça va. Là, je sais pas le mieux, hein, mais la mienne, elle a épicé. Donc, bon, à la limite, il y a ça qui passe, quoi, c'est bien. Très bien. Ça enlève grave de la vie, ça, c'est ouf. C'est beaucoup plus safe en fait. Je consomme quasiment pas d'endurance en fait. Donc ouais, une épée je dirais. Ah, si on se met bien derrière, on se prend pas les dégâts. Je... casque, il va casser, j'ai rien... Ah oui, non, si, j'ai mon casque de mineur. Ouais, même ça, si ça fait pas de dégâts, si ça fait pas de critique, hein, c'est pas énorme. Je pense que si on doit la tuer plusieurs fois, je pencherai pour l'épée qui vole de la vie. Elle doit taper super vite en plus. Donc ça... Ah merde. Oh la vache.
Eh ouais, casque de mineur. Toujours efficace. Très bien. Oh la putain, je suis pas. Tes enfants ne peuvent pas partir. Voilà, très bien. Oh oh oh. Je vais être honnête, je vois pas vraiment l'intérêt des armes à deux mains quand vous êtes solo en fait, quand vous faites du solo. Pour aucun événement pour le moment, j'ai trouvé l'arme à... une arme à deux mains utile. Là oui, ça fait des dégâts, mais je prends tellement de dégâts en fait en contrepartie. Du coup, je peux pas la farmer à l'infini quoi. Je vais devoir revenir à la base. Je pensais pouvoir me la faire plusieurs fois d'affilée. Mais là, je vais pas pouvoir en fait. Je suis pas... assez bien équipé en fait. Il me reste... On l'a fait 4 fois. On l'a fait 4 fois d'affilée. Ça m'a coûté un casque. On m'a coûté un casque et l'armure, elle est bientôt morte aussi. On a 20, 30... Ah, c'est pas mal. Au lieu de farmer des veuves noires, on peut farmer... Ouh, on en a plus que ça. Au lieu de farmer des veuves noires, on peut farmer ça, à la limite. Ça donne pas mal de fibres et honnêtement, on peut le faire plusieurs fois d'affilée. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue. C'est... Non, je crois que c'est fragment. Enfin, on va mettre reine, normalement, on devrait trouver. Reine. C'est ça. C'est ça qui m'intrigue. Je sais pas ce que c'est. Parce que là, avec les crocs, on peut faire le gourdin, le masque. Avec le venin, on peut faire le gourdin. Avec le fragment, on peut faire gourdin, masque, trophée et quelque chose que je connais pas. Donc ça m'intrigue un peu. Bon, on va repartir. Parce que là, ça sert à rien. Parce que là, je vais trop morfler, en fait. Je suis pas très bien équipé. Puis mon armure risque de casser en plein combat. On va faire demi-tour à la base. On va se remettre d'appoint. Et on va repartir en combat. Ok, donc on est de retour. Toujours avec Wendell. On est de retour. Donc, bon, mon épée n'est que plus 4. Du coup, elle n'est pas en feu. On va utiliser le Hotcha pour le moment, on va voir. Peut-être qu'on aura besoin de le changer pour le pendentif, je sais pas. Sinon au pire on utilise la hache, honnêtement. C'est pas vraiment un problème. Je suis repassé sur le, le set de la coccinelle avec le soin reçu. Donc ça devrait mieux se passer. En théorie on devrait récupérer pas mal de vie. Just like a fruit pounder. Prendre aussi ça. Attaque et régène. On est bon. On va voir un peu les dégâts. Parce que là c'est taillade et épicé. Bon, comme j'ai dit, l'épée elle est pas... Eh, pas mal. Voilà, je peux plus vous montrer parce que le jeu a décidé d'enlever sa vie. J'ai plus de vie. Par contre, peut-être pour ça, je peux prendre... Ah là là. Ouais. Okay, très bien. Ok. Je pense que les... Oh la vache, c'est quoi ce lag? Ok, le régène est très bon avec la coccinelle. Par contre, on perd beaucoup d'endurance en faisant les combos de l'épée. Je pensais pas que ça en bouffait autant. En fait. Bon, par contre, les dégâts sont très bons. On arrive à faire... Avec un enchaînement, on fait presque une petite barre, en fait. Donc, c'est très très bon. Non. Ok, nickel. Un truc que je veux tester, c'est... ça, maître d'armes. Maître
trop d'armes avec ça, je sais pas si ça marche. Le régène est très 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 bon. Le régène est extrêmement bon. Ah, attends. J'ai l'impression qu'elle... Elle tape plus vite quand il y a des petites, non? Très bon. Ah ouais, non, 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 très 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 bon. Après là j'ai mis une potion aussi régène. Donc ça fait doublon hein, évidemment. Ça va, mon armure est encore bonne. On a régène de ça, on a régène de ça. C'est encore bon pour les buffs, ouais. Est-ce que son ventre, c'est pas un point sensible? Allez, très bien. J'aimerais bien la faire au... C'est quoi ce debuff? Tu infliges moins de dégâts, d'accord. J'aimerais bien la faire en première personne, mais c'est vrai que de ne pas pouvoir voir la reine, c'est un peu chaud. Elle est tellement grosse que des fois je vois pas quand elle commence à faire son enchaînement. Là. Ah, je crois que le maître d'armes fonctionne. J'ai vu la buff s'activer qui restait pas longtemps. Je crois que c'était ça. À la limite, comme pendentif, prenez celui-là qui va réparer votre bouclier et l'arme. Honnêtement. Parce que du coup, on fait un tout petit peu moins de dégâts. Bon, après, c'est parce que mon arme, elle est pas augmentée. Enfin, pas tellement. Donc du coup, on passe plus de temps à taper. Ce qui est normal. Ah non, c'est la fin. Okay. Ah non, non, non. Ouais, c'est une très bonne arme. On se soigne quasiment pas en fait. Avec le set de la coccinelle, on se soigne quasiment pas.
petite. L'épée est bientôt détruite. Comme je dis, on l'a fait. Ah putain, elle a tout esquivé l'autre. Ouais, non, c'est ça. Oui, ça tue moins vite parce que, comme j'ai dit, bon, effet pas augmenté, mais quand vous êtes solo, honnêtement, c'est le mieux. Hein. Le soin que vous avez avec l'effet coccinelle. Et l'épée, rien que l'épée. Les dégâts sont très potables. Oh, reine araignée en or. Reine araignée en or, je sais toujours pas à quoi ça sert d'avoir des cartes en or. On utilise quasiment plus de soins avec cet équipement, c'est abusé. Ah, va-t'en, Wendell. Là, je me disais, est-ce qu'on peut mettre un pendentif en raccourci? Je vois pas pourquoi on pourrait pas. Du coup, je pourrais changer pour le pendentif. Quand j'utilise le katana et après les attaques de feu quand j'utilise cette épée là. À la limite, prenez de la colle sur vous. Pour éviter de
de devoir retourner réparer vos équipements. Ah là là. Ok, 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 tu as tiré. Je crois qu'elle est buffée, hein. Quand il y a les petites, hein. Je dirais presque positif qu'elle est buffée, hein. Je sais pas, des fois elle tape vite. Je sais pas. Les combats ils durent moins de 6 minutes. Merde, par contre. That was refreshing. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. J'essaye de tousser le moins possible, mais. Ça. Ok, on a bloqué au bon moment. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'elles sont chiantes à tuer? C'est toujours cette vague là qui me rend fou. Genre elles reculent, elles avancent, c'est une catastrophe pour les tuer. Que vous pouvez faire aussi, c'est bloquer avec un bouclier, sortir votre épée. Je crois qu'au moins vous pouvez passer plus ou moins deux combos et après ressortir le bouclier. Ça marche. Que ça va être chaud la prochaine fois. J'ai peur que mon armure casse en fait. Et que mon bouclier casse aussi.
Ah, c'est notre dernier, let's go. C'est notre dernier. C'est pas mal, hein. Les coups critiques et tout là. Bien violent. Chiante. Oh, l'armure elle prend cher quand même. En fait, l'armure, je crois qu'elle elle prend très cher quand il y a les autres, en fait, quand il y a les petites. Parce que je suis obligé de les tuer vite, du coup je me prends des coups, en fait. Ouais, toujours ça, là. De les jamais les toucher, quoi. Après, on a un autre casque. On n'a pas de d'armes. Everything looks good from here. Bien joué. Putain. Même le bouclier, il a la fin, le bouclier. Oh là là, crève. Voilà. Ouh. Ouais, c'était une farm sympa. Donc je suis allé regarder. Apparemment, elle dropperait, elle lâcherait un équipement spécial, un pendentif en fait, un accessoire spécial qui est unique du coup. Et mais du coup c'est très rare, je crois qu'il y a peut-être une chance sur... Genre, il y a 10% de drop ou un truc comme ça. C'est con que ce poison peut rien en faire, en fait. C'est vachement con, ça. Genre, faire des flèches. Ah, ce serait super, parce que honnêtement, elle est facile à farmer, quoi. Elle est facile à farmer, du coup, ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Ah, mais ouais. Bon, ça sera tout pour cet épisode. Donc ouais, faut, honnêtement, masque coccinelle, enfin l'équipement coccinelle. Bon, après le mien il est monté au max, mais quand vous avez soin reçu en fait, genre minimum niveau 6, il faut le mettre. Genre vous prenez les trois parties au niveau 6, comme ça vous avez soin reçu, vous récupérez plus de soins. Le pendentif, honnêtement, je sais pas si c'est le pendentif, il est vraiment utile. Vous prenez le truc qui
qui répare votre bouclier et votre épée, honnêtement, comme ça vous n'avez pas de problème celui-là. Comme ça vous n'avez vraiment pas de problème pour l'équipement. Vous prenez peut-être un peu de colle si vous voulez passer un peu plus de temps ici. Ça dépend comment vous jouez. Pour réparer votre équipement. La Makua Whittle antique. Enfin, la Mac, quoi. Est très très bonne. Vous pouvez la mettre en feu, je pense, en épicé. Et je crois que ça ferait le Nice and café. Ça va safe. vraiment vraiment vous aider niveau soins. Vous allez avoir besoin de quasiment aucun soin. Nous, on a commencé à avoir du besoin de soins quand on l'a cassé en fait. Et voilà, on prenait un peu cher et tout ça. Mais c'est tout. Mais après, voilà. Avant ça, quand on avait l'épée, c'était bon quoi. Ah, donc ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. Je sais pas. Si ça vous botte, faites-le pareil. Faites la farm. Et je vais essayer de continuer un peu, moi, de mon côté, à la farmer. Je vais voir si je peux récupérer le pendentif spécial. ouais. Je vais voir si je peux récupérer ça, voir ce que ça fait et tout ça. Et après, pour les mutations, bah, ouais, la résistance au poison, les critiques pour taper plus vite. Sécurité épicée, c'est pas mal aussi, ça, pour prendre moins de dégâts, parce que je pense qu'elle fait beaucoup d'empalement. Maître de garde, et après, ce que vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez, de la vie en plus. Ou Moi, j'ai pris maître d'armes, ça avait l'air d'être intéressant, ça permet d'économiser un peu l'endurance. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, ciao ciao!